Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo. Et comme ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, mais qu'il y a toutes sortes de raisons pour ça, je vous propose de partir immédiatement dans le jeu et de pas vous expliquer toutes ces raisons. Voilà, parce que je pense que ça vous intéresse moins que le jeu dont on va parler aujourd'hui. Puisque aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble Squishy de Suicidal Pig. Alors c'est un jeu que l'un de vous m'a chaudement recommandé après avoir vu le genre de jeu qui me plaisait. Et il m'a dit que j'allais en avoir pour mon argent. Alors en l'occurrence, comme ce jeu m'a coûté 14 centimes d'euros, je pense qu'effectivement, ça je prends pas trop de risques. Donc ce jeu se trouve pour 1 euro sur Steam et il est assez souvent en solde. Donc si vous le voulez vraiment à 15 centimes d'euros, bah vous pouvez le trouver à ce prix-là. Je vous propose qu'on parte immédiatement. Donc visiblement, on a le choix entre speedrun, story mode et extra. Donc j'ai fait un tour dans les options vite fait. Il y a que le mode full screen ou pas full screen. Donc bon bah voilà, on n'a pas le choix pour mapper ses touches. Hein. Je sais pas du tout avec quoi je vais jouer. Alors au cas où, je vais jouer avec une manette de classique de la Wii, si vous voyez ce que c'est. Je vais jouer avec ça parce qu'il y a ma manette officielle qui a rendu là, mais du coup j'ai plus d'autres manettes que ça. Du coup je sens qu'on va beaucoup rigoler, puisque apparemment je vous propose qu'on parte dans story mode. Ça va être un jeu qui va être très très punitif. Alors, il était une fois un cochon qui portait un t-shirt jaune, qui vivait heureux dans sa ferme avec ses parents. Misère, ça va trop vite. Alors jusqu'au jour où le fermier a emporté ses parents avec lui, et Squishy a très vite compris qu'il les a amenés dans la boucherie, quoi, dans la maison du massacre. Alors il est dévasté par la perte de ses parents, et du coup Squishy est devenu très triste. Mais c'est alors qu'il a eu une idée. Les parents de Squishy lui avaient raconté le paradis, lui avaient parlé du paradis des animaux, un endroit magique où tous les cochons vont quand ils meurent. Et donc Squishy a pensé que tout ce qu'il avait à faire c'était de mourir, comme ça il pouvait se retrouver sa famille, quoi. Mais quand il est mort... Il a carrément décapité la guillotine. Ça semble pas trop au paradis là. Inconscient. Donc ça c'est le diable apparemment. Le suicide est un péché, et tu sais ce qui arrive à ceux qui font des... aux pêcheurs comme toi, n'est-ce pas? Ils ont comme sentence de passer leur éternité en enfer. Mais je m'ennuie. Pour te dire la vérité, accepter mon challenge, je t'envoie retrouver tes parents au paradis. Je vais prendre ton silence pour un oui. Très bien. Prends ces extra lives, ces vies supplémentaires. Ok, visiblement j'ai 31 vies maintenant. Alors voilà le deal. Comme tu aimes te suicider à ce point-là, tu vas devoir... Oh misère, mais ça va tellement vite, j'ai pas le temps de traduire. Donc je vais devoir aller le retrouver sans cheater, sans... Mais comment tu veux que j'arrive à lire si vite, enfin? Bon, alors apparemment, d'après ce que j'ai réussi vite fait à lire en anglais, ce que j'ai pas réussi à vous traduire, par contre, le but, ça va être de perdre toutes ses vies. Voilà, le but, ça va être de... En fait, Squishy, le Suicidal Pig, donc Squishy va devoir se suicider pour pouvoir réussir à retrouver ses parents. Donc du coup, le but de ce jeu, ça va pas être d'arriver à la fin sans mourir, ça va être de suicider, en fait, de perdre toutes nos vies, je crois. Donc voyons voir, alors bienvenue dans le monde de Squishy. Le but de ce jeu est de perdre toutes ses vies que vous voyez en haut à droite. Donc pour faire simple, commencez à comprendre comment est-ce que vous pourriez vous tuer vous-même. Alors certains objets peuvent être poussés. Essaye de déplacer cette boîte. Alors là par contre les dialogues ils sont super longs, il n'y a pas moyen de les passer, ok. Oui, donc comme je vous ai dit, je joue avec la manette classique de la Wii, donc je pense que ça va pas être très pratique, parce que j'ai déjà mis 2 heures à réussir à la paramétrer pour qu'elle marche sur mon ordi, donc bon, maintenant normalement ça devrait être bon, mais donc utiliser l'interrupteur pour faire exploser l'explosif le plus proche. Ces explosions peuvent interagir avec d'autres objets, comme Squishy ou les box, les boîtes du coup, enfin les caisses. Ok. Donc il y a aussi, pour ça que je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment, il y a aussi le fait que j'avais énormément de travail et que j'ai carrément pas eu le temps de vous en faire. Il y a aussi que comme ma manette a rendu là, j'ai plus de manette pour vous faire des vidéos et jouer sur PC sans manette, selon les jeux que j'ai l'habitude de vous faire. Alors appuyez sur Y pour restart le level, ouais. C'est quoi Y, connard? Bref, donc on va pas appuyer sur Y pour restart. De toute façon on va pas restart le level, pourquoi je voudrais restart le level? Pour l'instant on a... Alors visiblement c'est gauche et droite pour se déplacer. Il y a une touche pour sauter, je sais pas laquelle c'est. Moi j'ai une touche pour sauter que j'ai déjà mappée, je sais pas ce que ça vaut sur le clavier. Ok, c'est la touche du haut. Si vous appuyez, alors apparemment gauche et droite ça vous déplace et en haut c'est pour sauter. Ok, bon bah tant mieux. Alors le bouton orange est activé quand vous poussez un objet lourd comme une boîte dessus. Ah, ça va me faire des cours d'anglais là, je vais pouvoir m'habituer à vous retraduire en anglais quand ça va super vite. Ça m'avait pas manqué ça. Yummy, yummy. Alors visiblement il y a des petites pommes. Alors le gros bouton rouge va allumer le fan, c'est le... Ah,
Le ventilateur. Le ventilateur pendant 5 secondes. Ok, donc visiblement, ouais, voilà. Ah bah oui, bah il est là le ventilateur, le fan. Alors. Alors ça va, pour l'instant ça a l'air... J'ai jamais joué à ce jeu, hein. C'est vraiment une découverte complète. Alors je pense pas que je vais vous faire un let's play là-dessus, parce que c'est un jeu qui apparemment est très très compliqué. Ok, donc ça c'est... qui est vraiment très dur, et du coup je pense qu'il y a beaucoup... C'est un die and retry en fait, c'est-à-dire que je vais devoir beaucoup mourir, et je suis pas sûr que ça soit très intéressant à regarder. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait juste découvrir le jeu, puis on verra comment ça allait avancer. Donc les objets... Donc plus l'objet est proche de l'explosion et puis plus il va interagir. Donc green and, donc les interrupteurs rouges et verts peuvent être utilisés toutes les 3 secondes. Les oranges peuvent être utilisés qu'une seule fois. Ok. C'est-à-dire que là si j'appuie sur ce machin vert, je peux faire exploser. Ok. Ah puis maintenant si j'attends de nouveau 3 secondes, je peux faire exploser le suivant. D'accord, ok. Pour l'instant jusqu'à présent c'est assez simple. Ah bah voilà, je vais enfin pouvoir perdre une vie. Alors, pour la plupart du temps dans le jeu, le but pour mourir, c'est assez simple, il vous suffit de sauter dans les pics. Oui, je pense qu'effectivement, puis si j'ai pas envie de mourir, est-ce que je peux avancer sans mourir? Non, je pense pas, vu que le but de ce jeu, c'est de mourir, donc voilà. Ouais, je suis mort, cool, j'ai fini les... Ah, ok, d'accord, donc en fait, on a 31 vies, donc je pense qu'on a 31 niveaux. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, il y a une petite carte à la Mario Bros 3. Ah, c'est marrant. Ok, donc là, on arrive au level 1-1. Ok, donc ça va vraiment être ça le but, en fait. Le but du jeu, ça va être de... Ah, zut. C'est quoi la touche pour... Ok, c'est la barre d'espace que j'ai pas mappé sur ma manette, c'est pas grave. Donc je peux pousser la nitro là. J'ai pas de... Ok, donc en fait ça va être ça maintenant, ça va vraiment être des énigmes. Il va vraiment falloir que je réfléchisse, donc je peux pas aller là-haut. On va laisser la boîte là pour l'instant. Donc si j'appuie sur le truc de nitro, je devrais faire sauter la caisse là-bas. On va essayer ça. Ok. Oui, parce que je vois qu'il y a des pommes et puis qu'il y a un compteur de pommes. Du coup je suppose que les pommes... Ouais, non, je peux pas aller là-bas. Je suppose que les pommes, ce sont des bonus, n'est-ce pas? Je suppose, mais comment est-ce que vous voulez que j'ai... Je peux pas attraper la pomme là-bas. Voyons voir, restart. Il a dit que c'était le bouton Y, sauf que j'ai pas de bouton Y. Je pense que... Ouais, voilà, c'est R, ok. Donc le bouton R, en fait, c'est le bouton Y. Donc avec R, on peut restart. Voyons voir. Donc comment est-ce que... Bah, en fait, ça va être ça. Ça va être... En gros, ça va être un jeu d'énigmes où le but, ça va être de trouver comment mourir. Du coup, il faudrait que je trouve un moyen de mourir, là. Comment est-ce que je peux mourir? C'est vraiment horrible comme jeu en fait. Donc je peux pas sauter là-haut, il me faut... Ah mais oui, mais je suis bête, mais j'ai... Ok d'accord, non mais je suis bête. Ça commence bien, déjà le premier niveau j'arrive pas à réfléchir. Je pousse la boîte là-bas du coup, bah voilà. J'ai trouvé que je pouvais pousser la boîte là-haut, donc maintenant je peux monter là. Voilà, tranquille, je peux descendre la caisse là. J'ai réussi à foirer, super. Par contre je suis pas sûr que j'aurais dû faire ça avec la caisse en fait. J'aurais pas dû la coincer comme ça. Non, j'ai fait une bêtise là. La caisse, je pense que j'aurais dû la descendre. Donc en fait je pensais que ça allait être un jeu d'action, mais en fait non, ça va être un jeu de puzzle visiblement. Ça va être un jeu de réflexion, enfin il y aura aussi de l'action je pense. Mais je pense que ça va être pour la plupart du temps un jeu de réflexion. Où il va falloir trouver comment mourir en fait. Mais là actuellement je... Ah mais si, mais oui voilà, ok comme ça. Ok, il va vraiment falloir que je commence à réfléchir. Alors, on va descendre ce truc là. Et maintenant je pense qu'il va falloir que je la pousse je sais pas où. Est-ce qu'elle peut être poussée? Est-ce qu'elle peut être montée là, ouais, avec là? Oui, elle peut être montée, bah parfait. Ok, donc c'était assez facile alors. Ok, si tu pouvais t'arrêter le ventilo, ça m'arrangerait beaucoup, merci. Voilà, et donc là, pour crever, on va essayer de ramasser les pommes, parfait, voilà, une vie en moins. Ouais, je suis mort. Non mais c'est un jeu où le but c'est de crever, c'est assez rare quand même, hein. Alors j'ai rempli 10%, ah oui non mais je pense que, il me dit 10% de completed, mais enfin j'ai fait 10%, mais ok, donc là la manette elle est plus reconnue, donc je vais y aller à... Donc visiblement on a vraiment une carte à la Mario Super Mario Bros 3. Voilà. Alors, ok, ah oui, puis vous voyez en haut à droite je n'ai plus que 30 vies. Donc ça va vraiment être ça en fait, le but je pense que ça va être ramasser les pommes, et ensuite une fois qu'on a toutes les pommes on doit... Enfin, les pommes je pense que c'est surtout du bonus en fait, mais... Les pommes à mon avis c'est du bonus, ça doit pas être obligatoire, mais bon tant que je peux les attraper, bah je vais en profiter, hein, je vais pas me gêner. Donc je pense qu'il va falloir monter ce truc là-bas. Je dis bien je pense. Non merde, non c'est pas ça que j'aurais dû faire. Je suis sûr que j'aurais dû le pousser à gauche sur le bouton. Parce que là en 5 secondes je pense pas que j'atteigne le coin là-bas. Hein. Ouais non c'est ça, ah zut j'ai fait une bêtise. Allez on restart, tac. Bon, heureusement qu'on peut restart facilement. Hein. Non, je pense que le machin, je dois le pousser à gauche sur le bouton. Ouais, mais comment est-ce que vous voulez que je fasse ça?
Ok, donc en gros, bah, je vous l'ai dit, hein, ce jeu, il est pour... bah, moi, je l'ai eu à 14 centimes d'euros sur Steam, donc c'est clairement... c'est typiquement le genre de petit jeu... Non, mais je peux pas le pousser là, parce que si je le pousse là, ouais, ça va tomber ici, mais ça me fait une belle jambe que ça tombe là. Comment est-ce que vous voulez que je fasse ça? Alors... Non, parce que j'arrive pas à aller jusqu'à là-bas en 5 secondes, c'est trop loin. Donc, est-ce que je dois peut-être... En gros, ce jeu, il va être plus casse-tête que prévu, en fait. Si je me dépêche, vite, vite, vite. Allez, le cochon, plus vite. Non, mais y a pas moyen. Comment vous voulez que je fasse ça? Alors, je suis sûr qu'il faut que je pousse la caisse à gauche. Hein. Je vois pas d'autre solution, mais... Donc en fait c'est un jeu d'énigmes, c'est carrément ça en fait, c'est carrément un jeu où il faut, c'est un jeu de réflexion en fait, c'est pas du tout un jeu de... Ouh là là, il y a un petit bug là, il y a le cochon qui poussait à droite, la caisse... Non mais ça sert à rien que j'y mette là moi... Pourquoi ça me sert de mettre la caisse là à rien? Vous voyez, il y a... Je vois vraiment pas que... Ah mais non, mais si, si, j'ai compris. Enfin je pense avoir compris. Ah non mais si, je crois que j'ai compris en fait. On peut pas monter là-haut. Je pense que le but c'est de se faire aplatir par la caisse en fait. Je pense que le but ça va être que je mette la caisse en l'air et qu'ensuite je me la prenne sur la figure. Je pense que ça doit être ça, voilà, parce que après tout, je rappelle que le but de ce jeu c'est de torturer ce pauvre cochon. Donc à mon avis ça doit être ça, je dois le mettre là-bas dessus, puis je dois aller très très vite me mettre dessous pour quand ça va... Pour quand le ventilo s'arrête, puis je pense que ça va m'aplatir et c'est comme ça que je vais gagner. C'est assez horrible quand même, hein. C'est le principe du jeu est assez... Voilà, et maintenant, voilà, c'était ça, parfait. Ouais, je suis mort, cool, plus que 29 vies. On va continuer comme ça, alors. Visiblement, bon, là, c'est que le premier monde, donc je pense qu'il y a plusieurs mondes. Ah, je peux pas aller à droite. C'est marrant, il y a un chemin, mais je peux pas aller à droite. Ok, bon, bah, j'ai pas le choix, alors je suis obligé d'aller à gauche. Bah oui, du coup. Je sais pas combien de temps je vais vous jouer à ce jeu, je vais juste vous le faire découvrir, en fait. Le but, c'était que moi, je découvre ce jeu, et puis comme ça, vous pouviez le découvrir aussi, si jamais vous ne le connaissiez pas. Mais comme je vous l'ai dit, je compte pas en faire un let's play, parce que je pense que, bah voilà, c'est vraiment un jeu de réflexion et je suis pas forcément sûr que ce soit intéressant à regarder. N'hésitez pas à me le dire hein, si je me trompe et si vous avez envie. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours en train de chercher une idée de let's play. Donc je pense que cette caisse, je dois l'amener en bas. Ah, quoique. Si, si, je pense que cette caisse, je dois l'amener en bas. Genre comme ça. Si je la fais exploser là, ça fait tomber le truc en bas, je pense, non? Voilà, c'est exactement ça. Parfait. Tac, et avec cette caisse, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs, je sais pas quoi, mais. Yeah, ok, bah ça va le gameplay, il est... je m'attendais à un truc horrible niveau gameplay, mais franchement non, ça va niveau gameplay, c'est assez souple encore. Je suis surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que le gameplay soit ce soit un truc bien horrible, mais même pas, non. Donc là, réfléchissons, je pense qu'il faut que je mette d'abord la caisse, ensuite la nitro, ouais ok, je pense que c'est ça. Faut d'abord que, si là il y a deux trous, je suis sûr que la nitro je dois le mettre dans celui de... dans le trou d'après, donc je vais d'abord devoir mettre la caisse, plus pousser la nitro. Je pense que là c'est pas obligatoire pour finir le niveau, je pense que c'est juste obligatoire pour choper toutes les pommes, mais bon, hein, franchement, pendant qu'on y est, bah autant essayer de choper toutes les pommes. Sur les premiers niveaux au moins, j'ai vu qu'il y avait des succès sur le jeu, donc je pense qu'il y a un succès qui demande qu'on récupère toutes les pommes dans chaque monde ou un truc comme ça. Du coup maintenant il va falloir que je trouve un moyen de faire exploser cet interrupteur. Ouais mais le problème c'est que si je fais exploser, je fais exploser le premier là. Ouais voilà, c'est pas ça que je voulais, mais c'était l'autre que je voulais faire. Merde, j'ai foiré. Moi c'était l'autre que je voulais faire exploser, j'aurais d'abord dû faire exploser celui-là, zut. On recommence. Ok, mais c'est bon, j'ai compris, donc ça va. C'est... Pour l'instant ça va, c'est... disons que c'est pas trop dur actuellement, ça va, je... c'est encore à mon niveau, disons. Voilà, là, ce pauvre cochon, mais qu'est-ce qu'on va lui faire subir pendant tous ces niveaux? Pour l'instant il y a des pics, et on... pour l'instant les deux méthodes de mort c'est se jeter dans les pics ou se faire écrabouiller la gueule par la caisse, mais... Je suis sûr qu'ils sont arrivés avec plein d'autres idées. Pour l'instant le jeu, bon c'est... Franchement, s'il coûte si peu cher que ça, bon, on voit qu'effectivement, ça ressemble énormément à un jeu en flash, en fait. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à un jeu en flash. Je me demande même si ce n'est pas un jeu en flash, mais franchement, ouais, de toute façon, franchement, personnellement, je trouve ce jeu, l'idée du jeu, en tout cas, elle est marrante. Je trouve l'idée assez marrante. Et personnellement, même si le jeu est en flash, je vais pas crier comme quoi le jeu, on peut l'avoir gratuit ailleurs. C'est comme un jeu que je vous ai fait récemment, c'est Plague Inc. Evolved, dont je vous ai fait récemment. D'ailleurs, merde, non, j'ai fait n'importe quoi, je peux pas pousser les deux. Merde, je suis bête, on recommence. Que je vous ai fait récemment, effectivement, c'est un jeu qui a un équivalent en flash aussi. Enfin, le jeu de base, c'était un jeu qui était apparemment sorti en flash ou sur tablette pour beaucoup moins cher. Il y a plein de gens qui râlent comme quoi le jeu, il existe déjà ailleurs et moins cher.
Mais bon, personnellement, et si je vous l'ai pas dit, c'est il y en a un d'entre vous justement qui m'a fait la remarque que j'avais pas précisé ça, que le jeu existait déjà en moins cher ailleurs, voire gratuit et tout. Si je l'ai pas précisé, c'est juste que moi personnellement, vous l'aurez très certainement déjà remarqué, je parle pas beaucoup d'argent dans mes vidéos parce que je regarde pas trop à ça en fait. À moins que le jeu ce soit vraiment vraiment une immense arnaque, genre le jeu est vraiment totalement pourri et c'est du vol. Mais ça pour l'instant ça m'est très rarement arrivé. Je crois que des vidéos sur des jeux qui m'ont déplu, je vous en ai fait une. Plus MacRunner Dark Pulse, le let's play sur le jeu qui m'avait vraiment pas plu non plus. Mais je crois qu'actuellement des jeux qui ne m'ont pas plu, je vous ai fait une vidéo sur un jeu qui m'avait vraiment pas plu. J'en ai trouvé d'autres mais pour l'instant je vous ai pas fait de vidéo dessus. Mais c'est tout simplement pour ça, c'est déjà des jeux qui me plaisent pas, c'est assez rare. Et du coup, moi en général, je prends les jeux pour ce qu'ils sont, quoi. Je regarde pas vraiment au prix, pour être honnête. Franchement, le jeu, il peut... Okay, ça, c'est un bug, par contre. J'arrive à pousser la caisse et puis à tourner le cochon dans l'autre sens. C'est pas normal, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est que, franchement... voilà, le jeu, il coûte... Bon, en plus, ce jeu, voilà, je veux dire, je vais pas me plaindre, il coûte... Non, surtout fais pas ça le cochon là. Il coûte, je l'ai dit, il coûte au maximum 1€. Donc voilà, même si on le trouve gratuit ailleurs, c'est pas 1€ pour soutenir le développeur qui va vous ruiner quoi. C'est ce que je veux dire quoi. Bon, donc il est mort, cool, Bloc 28 vif. Continuons comme ça alors, on est sur la bonne voie. Je vois qu'il y a un secret hat shop en bas à droite, un magasin secret pour acheter des chapeaux. Ça, je suis sûr que c'est des blocs qui vont disparaître. Évidemment, c'était prévisible. C'est quoi ça? Ah non mais ça c'est fermé donc je pense qu'il y a une clé là-dedans. On va en prendre 15 sur 2, je sais pas pourquoi, je sens que je vais devoir retourner en arrière. Donc on va appuyer que sur 1 sur 2 puis on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça fait ce bouton là? Ah si ça, bah voilà, je suis sûr que le bouton il a dû ouvrir la porte en dessous. Comme quoi, on commence quand même gentiment à avoir des réflexes quand... Alors j'ai chopé la clé de bronze, je me demande si c'était ça que je devais faire en fait quand même. Ah si c'était ça. Ah comme quoi, à force de jouer à des jeux horribles, on commence gentiment à avoir des réflexes genre celui-ci ouais. Ça me semblait bizarre, j'étais quasiment sûr qu'il fallait que je fasse ça comme ça. Donc comment je peux faire là maintenant? Il faut que je trouve un moyen de m'écraser cette boîte sur la tête. Bah je pense que tout simplement, on va faire ça comme ça. Non merde, trop tard, zut. Ok, donc il faut carrément se dépêcher. Bon, alors allons-y, on y va. Je sais pas combien de temps on est quoi, un quart d'heure? Ouais allez, on va encore jouer un petit moment hein. On va encore jouer un petit moment. Franchement, il est assez amusant ce jeu en fait. Effectivement... Personne qui me l'a recommandé, bon, mais c'est cette même personne que je remercie encore d'ailleurs une fois de plus pour m'avoir recommandé ce jeu, qui m'a recommandé pas mal de jeux d'ailleurs. M'a dit que c'était, il fallait pas que je m'attende au jeu de l'année, mais bon, encore une fois, hein, vous me connaissez, moi les jeux, justement, je les prends pour ce qu'ils sont. Et non, franchement, je trouve ce petit jeu assez marrant. Bon, pour l'instant, c'est pas trop dur. Alors franchement, pour l'instant, je trouve rien de difficile. Mais en fait, je m'attendais à un espèce de Dion Retry dégueulasse à la Super Meat Boy. En encore pire, je m'attendais vraiment à ça en fait, en voyant les descriptions du jeu, mais en fait non, pas du tout, en fait c'est plus un jeu de réflexion, c'est un jeu de réflexion en fait, ouais voilà. C'est ni plus ni moins un jeu de réflexion. Là j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça comme ça. À quoi ça me sert de faire ça? Je peux atteindre la nitro comme ça? Mais non je peux pas. Comment je fais là? Je suis coincé, merde. On recommence. Je peux aller à gauche? Non y a rien. Ah mais on peut faire ça! Ah mais ça il fallait le savoir ça. Ok, si vous allez tout à gauche on vient à droite et si vous allez tout à droite on va à gauche. Ah mais merde, mais ça il faut le savoir ça. Comment est-ce que vous voulez que je devine ça tout seul? Ok, bon bah heureusement que j'ai eu ce réflexe débile d'aller voir à gauche s'il y avait pas un truc alors. J'étais persuadé qu'il y aurait rien moi. Ok d'accord. Bon bah c'est bon à savoir alors. Enfin je sais pas si ça va vraiment m'aider dans l'immédiat mais parce que là qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je peux pas atteindre la nitro là. Ouais merde, je me suis coincé de nouveau. Vous voulez que j'atteigne ce truc là-haut? Je vois vraiment pas en fait. Je peux pas sauter là. Je pense que la nitro il faut l'utiliser. Ouais non mais attends, la nitro je pense que je dois casser le bloc de pierre là-bas pour qu'il me tombe sur le crâne. Donc je pense qu'il va falloir que je... Ah non mais attendez, si je pousse ça... Non je peux pas pousser ça à droite. Si je pousse ça là à gauche, j'annule ça, ouais voilà. Et puis ensuite qu'est-ce que je fais là? Voilà, la nitro je la mets là, puis ensuite je peux pas la déplacer la nitro là. Elle est coincée là. Hello. Voilà, puis ensuite je pousse ça là-dessus. Puis voilà, puis là il y a tout qui est coincé, je peux plus rien faire. Puis maintenant je peux même plus remonter, non? Puis j'ai pas assez d'élan. Oh, ok, d'accord, donc là. C'est là où on voit que c'est un jeu de réflexion, c'est que ça commence gentiment à devenir compliqué. Non, t'es sérieux? Il fallait juste. Ah mais d'accord, en fait, ok d'accord. Donc en fait tout ça c'était un espèce de piège pour nous faire chercher pendant des heures, alors qu'en fait il suffisait de passer dessous et ça nous tuait. Ok, bon bah on va pouvoir aller voir ce magasin secret, c'est quoi ça?
Ah, je dois. Alors, pour avoir le sombrero, je dois finir le jeu. Pour avoir ça, je dois trouver tous les artefacts secrets dans l'espace. Oh, ça veut dire qu'on va aller dans l'espace, peut-être. Je dois battre Boom Coyote en hard pour le débloquer. Je dois ah bah voilà, je dois ramasser toutes les pommes pour débloquer ce chapeau, ce magnifique chapeau d'ours. Je dois tuer tous les boss en difficulté insane, donc malade, pour débloquer ce chapeau de je sais pas quoi. Donc visiblement, il y a une difficulté plus avancée. Bon bah pourquoi pas. Bah pour l'instant, je trouve pas le jeu particulièrement dur. Je me demande même ce que ça pourrait être. Mais apparemment, il y a des boss, donc ça sent pas bon en fait qu'il y ait des boss, parce que... Franchement, des boss dans un... En fait, ce jeu me rappelle un autre jeu qui était lui... En fait, si je pense beaucoup à ce jeu, je me souviens plus l'autre jeu, en fait. Mais il y a un autre jeu qui ressemble énormément à celui-là, sauf que c'était vraiment un jeu de... C'est une autre boîte, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se casse si je la lâche? Non, ok, donc je sais pas ce que c'est que cette boîte, sauf que bah, maintenant je me suis coincé, bravo. Ça me fait penser à un autre jeu, avec un cochon aussi, je sais plus comment il se croit. C'était Mr. Bree, je crois il s'appelle ce jeu. D'ailleurs, faudra que je vous fasse une vidéo sur ce jeu. Mais j'ai jamais prévu de vous en faire une. Oui, ça fait un des nombreux jeux sur lequel j'ai prévu de vous faire une vidéo. Ah, mais puis là, je me suis coincé, non, c'est ça. Bravo. Mr. Bree, je crois il s'appelle. Mais c'était aussi avec un cochon. Mais en gros, c'était un jeu qui était énormément. Qui ressemblait énormément à Super Meat Boy. Hein. C'était même quasiment Super Meat Boy. Mais le truc, c'est que. C'est pour ça que je pensais que ce jeu-là allait ressembler beaucoup à ça, parce que l'idée était la même. On jouait aussi un cochon qui devait passer dans des niveaux hardcore et tout, mais c'était pas hardcore parce qu'il fallait réfléchir, c'était hardcore parce que bah, ça l'était vraiment, quoi. Donc là, visiblement, le but, ça va être de me lâcher la dynamite sur le crâne. Donc... Non, enfin, pas de me lâcher la dynamite sur le crâne, ça va être de me faire tomber une caisse sur la figure, je pense. Est-ce que je peux sauter là ou non? Je ne peux pas. Attendez, à quoi sert... Donc je peux faire exploser la dynamite, mais à quoi ça me sert de faire exploser la dynamite, là? Je peux pas sauter là-haut. Pourquoi est-ce que j'ai deux blocs, là? J'ai deux blocs, là, je sais pas pourquoi, parce que je peux pas les soulever, les blocs. Voyons voir, si j'actionne la dynamite, ça va juste exploser... Bah, qu'est-ce que je dois faire, là? Ça y est, je suis coincé. Parce que là, si je pousse le truc là à droite, je vais être coincé. Je peux pas mettre l'autre par-dessus celui-là. Là, je sèche parce que je vois pas comment monter là-haut. Je peux pas empiler les caisses non plus. Donc on va essayer d'activer le... Voilà, ouais, ça a fait exploser la TNT. Ouais, puis alors? Ouais, ok, ça me fait une belle jambe, mais... Je vois pas trop ce que je suis censé faire là, voilà, vous voyez? C'est là où on voit que c'est vraiment un jeu d'énigmes, quoi. C'est qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on doit faire et... Ah mais je dois passer par là-haut. Je dois aller là-haut avant de faire tomber la caisse. Je dois faire ça comme ça, en fait. Je dois faire tomber la caisse de Nitro là en bas. Ah bah du coup, pourquoi j'aurais besoin de passer par en dessous? On s'en fout. Parce que là, si je fais tomber la caisse de Nitro, ça suffit. Attendez. Que je réfléchisse. Je pense qu'il faut faire un truc puisque je dois passer à gauche, à droite, il doit y avoir un truc à faire là. Mais là, si je lâche la TNT là maintenant, ça le fait, non? Je dois d'abord pousser la... Est-ce que... Je suis pas sûr que je... En fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a deux caisses, c'est qu'il en faut une pour remonter sur l'autre là ou non? Non. Ok, donc là, je me suis recoincé dans la situation d'avant. Donc je pense... faire tomber la TNT, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut le faire. Mais en tout cas, voilà, Squishy de Suicidal Pig. Voilà, c'est si jamais vous aviez envie de trouver un jeu de ce genre là bah voilà, comme ça vous en avez un en plus pour pas cher du tout. Et ça a l'air d'être un petit jeu qui vous prend la tête quand même. Ça a l'air d'être quand même plus prise de tête que ce que je pensais. Il faut quand même réfléchir un peu. Ah non, ça tombe comme une pierre, ce machin. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce truc? Parce que je peux pas me la faire exploser à la tronche, c'est pas possible. Je vois vraiment pas ce que je suis censé faire là, voilà. Parce que là, si je la fais exploser, bah ça me servira à rien. Là, si je la fais. Je pense qu'il faut la faire exploser, hein. Bah voilà, parce que la faire exploser, ça me pousse les caisses, mais. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça, mais quoi? Alors, je ne sais pas, voilà. Là, je suis coincé. Je vois qu'on est à 20 minutes, je pense que je vais gentiment m'arrêter. On va en profiter que je sois coincé en fait pour gentiment s'arrêter là. Voilà, parce que ça sert à rien que je retourne là-bas. Je sais pas ce que c'est que cette caisse bizarre en fait. Elle a une autre tête, je sais pas pourquoi, mais je pense pas que ça change grand chose.
Non, parce que je peux pas aller chercher la nitro si je la fais pas tomber, là. Non, alors non, là, officiellement, je ne vois pas, voilà. Je vois pas ce que je suis censé faire. Pas du tout, même. Du coup, mais de toute façon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, gentiment. On est à 21 minutes, et en plus, je suis totalement coincé, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Mon but, c'était justement de vous faire découvrir le jeu, enfin, de le découvrir avec vous aussi, en même temps, voilà. Comme ça, j'ai pu le découvrir avec vous. J'ai pu voir à quoi ressemblait ce jeu. Je pense que, ouais, non, effectivement, j'ai pas mal m'amuser avec. Alors, à moins que vous ne souhaitiez vraiment que je fasse un let's play là-dessus, mais je pense pas que ce soit forcément ultra intéressant. Quoique, bah, finalement, c'est pas du Die and Retry, mais c'est encore un jeu de puzzle, en fait. C'est encore un jeu où il faut réfléchir. Et je sais que c'est pas forcément, bah voilà, très passionnant à regarder. Surtout quand, comme moi, bah, vous savez pas quoi faire et que vous commencez à faire n'importe quoi. On va voir ce que ça donne de faire ça, tiens. Rien du tout, ok. Non, bon, bah alors, ok, bah je sais pas, voilà. Je sais pas comment passer ce niveau, voilà. Je pense que je vais y passer. Merde, je vais y passer des heures à essayer de trouver, puis la réponse elle sera débile. Mais c'est en général toujours comme ça avec moi. C'est la réponse elle est débile en fait, mais je passe des heures à essayer de trouver la solution. À moins que la caisse là-bas, là-haut, ne serve à quelque chose d'autre, mais. Non, on peut pas monter comme ça. Parce qu'on saute juste pas assez haut. Ah, mais attendez! Non, non, mais même pas en fait. J'allais dire, on peut peut-être pousser ça là. Ah, mais ça me fait une belle jambe de pousser ça là. À quoi ça? Ah, bah comme ça. Ok, d'accord. Non, mais en fait, c'est vraiment des fourbes. En fait, c'est super. En fait, mais c'est vraiment ça en fait. Les énigmes, elles sont super simples. Mais vous cherchez super loin en fait. C'est ça le truc, c'est que l'énigme elle était totalement débile, vous la finissiez en 2 secondes. Mais il fallait savoir que c'était ça l'énigme. Donc en fait il y avait tout un truc avec une nitro et tout qui servait absolument à rien. Mais ça il fallait savoir qu'elle servait à rien quoi. Ok d'accord. Ah non mais je commence à comprendre, alors en fait ce jeu c'est un gros jeu de fourbe. Ok d'accord, je commence à comprendre pourquoi le jeu est pas forcément facile en fait. C'est parce que c'est un gros jeu de fourbe où il faut... où en fait les énigmes elles sont tellement débiles que vous allez toujours chercher trop loin quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je vais récupérer les 2 pommes là. Voilà. Ah non mais alors c'était quoi c'était... En fait moi je voulais pousser les 2 caisses à la fois. J'avais pas du tout pensé qu'en en poussant une il y a l'autre qui vous tomberait sur le crâne quoi. Alors que c'est totalement logique mais j'avais pas pensé à ça quoi. Ok donc en poussant on peut poser la caisse sur le truc rouge. Sauf que j'aimerais bien que tu... Ah mais attendez ça là déjà... Ok d'accord. Visiblement ça n'a servi à rien de faire ça. Je pense qu'il faut plutôt la pousser dans le trou là, ouais. Je pense que c'est ça. Mais j'ai pas dit que j'allais m'arrêter moi. Je crois qu'il faudrait. Non, 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 je me suis coincé là. Regardez-moi ça, j'ai réussi à me coincer, zut. Bon, bah voilà, bah, les amis, on va gentiment s'arrêter là. Du coup, moi j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Ça, c'était donc Squishy de Suicidal Pig que vous pouvez trouver sur Steam pour 1€ en temps normal, enfin 99 centimes même, c'est pas totalement 1€. En temps normal donc, et qui est très souvent en solde, que vous pouvez donc très facilement trouver à 15 centimes d'euros. 14 centimes d'euros même, vu qu'en solde ils arrondissent vers le bas. Du coup, vous pouvez vous le trouver à 14 centimes d'euros si vraiment vous voulez pas vous le payer le prix fort. Voilà, même si bon, le prix fort, je pense que 1€ vous pouvez vous le permettre normalement. Normalement ça devrait aller 1€. Mais bon bref les amis, moi j'espère donc que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Moi je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.